internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette une des journaux qui vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant quota pour l'Université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Démarrons cette une des journaux par le quotidien Le Béninois Libéré qui placade en manchette ce matin. Popularité ABT après talent, le mari des femmes du Bénin. 99 mouvements des femmes dynamiques rejoignent le bloc républicain. En deuxième de une, votre quotidien affiche escroquerie d'un opérateur économique béninois en complicité avec sa compagne. Le conseiller communal Serge Akbouti au Youf pour 5 ans. En troisième de une, votre quotidien Le Béninois Libéré affiche rencontre de vérité et de désintoxication dans le zoo. Le duo Gansé-Glia et Logibière boycont désormais ensemble pour hisser le bloc républicain. En bas de page, votre quotidien affiche cours constitutionnel. Fructueux échanges entre le président Sosa et la vice-présidente Talata. En sport, des particularités annoncées pour la 3e édition du Mondial des communautés. BPC 2023, voici le déroulement des épreuves orales et sportives d'air ce lundi. Nous retrouvons le quotidien L'Investigateur qui placade en manchette ce matin. Commission des arbitres de la CAF, Christelle Rundonubo Alioza rend hommage à l'ex-arbitre émérite Hugues Alain Adjovi, nommé président. Toujours à la une de votre quotidien, expropriation des terres à Kolakodi et Togouin, le gouvernement invité à répondre à 13 questions du député Adé Chokan, le cas des déguerpis. À présent, le potentiel qui placade en manchette ce matin, expropriation à Togouin de la zone 4, portion de 20 hectares déréglée et réglée en conseil des ministres, regain d'indignation de 215 propriétaires terriens victimes, collet noir des députés qui adressent des questions orales au gouvernement. Toujours à la une de votre quotidien, vous lirez escroquerie de plusieurs millions de francs CFA chez un opérateur économique béninois, Serge Akbouti. Le quotidien de Dandia présent le matinal qui placade en manchette ce matin. Adoption des réformes de l'UEMOA, talons et mains des réserves. Il souhaite une étude profonde des propositions. Engouement autour du microcrédit à la FIA. La vision du gouvernement se concrétise. Et nous retrouvons le quotidien Matin Libre qui placade en manchette ce matin. Bola Tinubu, nouveau président de la CEDEAO, un ton ferme contre les coups d'État. Qu'en est-il des troisième mandats? Togouin, zone 4, portion de 20 hectares déréglée, réglée, environ 215 propriétaires crient au secours. Le quotidien Les Quatre Vérités à présent qui placade en machette. La Fédération des femmes dynamiques du Bénin adhère au bloc républicain. Un soutien de taille au bloc républicain. Toujours à la une, vous lirez toujours à la une de votre quotidien. La gouvernance politique en Afrique de l'Ouest. Et si on allait au-delà du concept du troisième mandat? Le quotidien Libération est notre avant-dernier quotidien, paru et parvenu à notre rédaction ce matin, qui placade en machette 3e édition du tournoi d'engagement politique pour le développement de Glodibé, efficace dans la discrétion,
Le CA Bocor fédère la jeunesse des 14 villages autour des idéaux de l'UP et leur renouveau. Il gagne ainsi le pari d'une organisation réussie. Vous lirez toujours à la une de votre quotidien Libération, travaux d'électrification dans la commune de Tofor, la dynamique maire Bibiane Soglo à Damazé chasse l'obscurité de l'arrondissement de Ouagbo. Elle rend une fière chandelle à talons. Bien sûr, le quotidien Le Béninois Libéré pour boucler la boucle de ce matin avec la une des journaux qui placarde en manchette ce matin. Popularité ABT après talons, le mari des femmes du Bénin. 99 mouvements des femmes dynamiques rejoignent le bloc républicain. En deuxième de une, escroquerie d'un opérateur économique béninois en complicité avec sa compagne. Le conseiller communal siège à Poti-Oyouf pour 5 ans. En troisième de une, votre quotidien affiche rencontre de vérité et de désintoxication dans le zoo. Le duo Gansé-Glidia et l'OJBR Boycon désormais ensemble pour hisser le bloc républicain haut. En bas de page, votre quotidien affiche coup constitutionnel. Fructueux échange entre le président Sosa et la vice-présidente Talata. Et dans les colonnes de votre quotidien, vous lirez sport, des particularités annoncées pour la troisième édition du Mondial des communautés. BPC 2023, voici le déroulement des épreuves orales et sportives dès ce lundi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction. Bonne semaine de travail à chacun et à tous.